Et on débute cette édition au Cameroun où au moins 13 personnes ont été tuées dans un attentat suicide visant une mosquée de Kouyapé, village situé dans la région de l'extrême nord du pays. On compte également un blessé. Les autorités régionales ont lié l'attaque à l'insurrection islamiste du groupe Boko Haram. La secte tente depuis 6 ans de créer un califat dans la région du nord-est du Nigeria. Ces pays frontaliers ont donc formé une coalition pour lutter contre Boko Haram, dont les activités ont débordé les frontières du Nigeria pour frapper aussi les pays voisins, provoquant le déplacement de dizaines de milliers de personnes.